Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante la parole du Seigneur, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle. Soumis à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes.